Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. En 1962, l'incendie d'une mine de charbon dans l'état de Pennsylvanie aux États-Unis dure 50 ans en souterrain, obligeant la population locale à abandonner la ville de Centralia. En 1967, le superpétrolier américain Torrey Canyon déverse 123 000 tonnes de pétrole près des côtes anglaises et françaises. En 1969, un baril de 500 litres de pesticides se diffuse dans le Rhin, provoquant une pollution sur 600 km et tuant plus de 20 millions de poissons. L'ensemble non exhaustif de ces événements à travers le monde va être confronté en 1972 à la première photo de la Terre complète en couleur fournie par la NASA. Pour la première fois, l'humanité contemple son habitat, mais surtout observe les limites planétaires. Aux États-Unis, les années 70 sont ainsi marquées par un bouleversement sur les questions écologiques. Une littérature abondante explose, comme le célèbre livre Silent Spring de Rachel Carson, biologiste, qui dénonce l'impact des biocides de synthèse sur l'environnement. L'environnementalisme américain est ainsi marqué par deux mouvances. La conservation, protéger la nature tout en continuant à l'exploiter, et la préservation, une protection pure et simple. Un événement majeur va surgir de cette effervescence scientifique, il s'agit du rapport Meadows. Commandé en 1970 par le Club de Rome à l'Institut scientifique du MIT, Massachusetts Institute of Technology, il a pour objet l'impact de l'activité humaine sur la planète. Livré en 1972, il fait l'effet d'une bombe dans le milieu scientifique, politique, civil, à travers le monde. Ce point d'ancrage dans le passé comme lieu de mémoire collectif fête cette année ses 51 ans. Qui sont les commanditaires? Les rédacteurs? Que révèle le rapport? Comment la politique et le monde scientifique se sont-ils emparés des conclusions? Quelle continuité aujourd'hui en 2023? Telles sont les questions qui nous permettront d'appréhender ce rapport sur les limites à la croissance. En 1967, un petit groupe de scientifiques et d'économistes se rencontre autour d'une conférence organisée par Aurelio Pecci, un industriel italien, membre du conseil d'administration de Fiat, et Alexander King, un scientifique écossais, travaillant pour l'OCDE. Les deux hommes ont la même interrogation en tête. Comment va évoluer l'humanité? En 1968, une conférence a lieu à Rome, réunissant une trentaine de chercheurs. Le Club de Rome était né. Entre-temps, en 1956, J. Wright Forrester, un électrotechnicien, intègre l'Institut scientifique du MIT. Il donne naissance à un nouveau modèle statistique appelé la dynamique des systèmes, une modélisation mathématique issue des recherches militaires d'après-guerre. Cette simulation permet d'établir les interactions entre organisations considéré comme étant un système autorégulé par son environnement. En 1970, invité au Club de Rome, il rencontre son futur collaborateur, Dennis Meadows, un jeune scientifique de 29 ans. Le club décide ainsi de la commande d'un rapport sur l'impact de l'activité humaine sur la planète. En 1972, le rapport Meadows est remis au Club de Rome. Il repose essentiellement sur le modèle des systèmes complexes, qui sont caractérisés par le nombre de boucles de rétroaction positives ou négatives qui caractérisent leur structure et la non-linéarité des relations entre leurs variables. Il s'agit du modèle mathématique baptisé World 3. Pour Dennis Meadows, la croissance ne peut pas continuer indéfiniment sur une planète finie. Nous sommes face à une inévitable transition entre la croissance mondiale et l'équilibre écologique global. Les données saisies reposent sur 5 variables, les ressources, l'agriculture, la population, l'industrie et la pollution. La période étudiée débute en 1900 et se termine en 2100.
À l'issue de ce protocole, 12 scénarios sont proposés. Le premier scénario table sur un standard run, c'est-à-dire une continuité où rien ne change dans les orientations politiques. Les modèles qui suivent ajouteront de nouvelles données comme le recyclage, une pollution divisée par 4 grâce aux progrès technologiques, ou bien encore l'agroécologie ou la stabilisation de la population mondiale. Les conclusions sont simples et sans appel pour chacun des modèles. Si rien n'est fait, l'effondrement progressif de la civilisation est prévu pour 2050-2060. Ce rapport fortement médiatisé à l'époque va susciter diverses critiques des milieux scientifiques et politiques. Dès sa sortie, le rapport est largement critiqué, de manière positive tout d'abord puisqu'il permet de doter les discours environnementaux d'une légitimité scientifique. De nombreux articles encensent les conclusions dans une période où l'écologie est au cœur du débat. 73% des Américains placent l'environnement comme première préoccupation en 1972. Cependant, il va être sévèrement attaqué par différents scientifiques sur la faiblesse du modèle qui, pour eux, ne prend pas en compte la modélisation économique ou d'autres critères qui paraissent implacables comme le développement des technologies. En 1975, une réévaluation du modèle est proposée, ajoutant certaines variables comme l'individu, le groupe, la démoéconomie, la technologie, l'écologie et la géophysique. Cependant, les conclusions restent les mêmes. Pour d'autres, l'étude apparaît comme un message messianique décrédibilisant sa véracité. Pour répondre à toutes ces attaques, les scientifiques du MIT rappellent que le modèle doit être renouvelé régulièrement. Si la communauté scientifique semble déchaînée, qu'en est-il du politique ? Pendant les années 70, l'écologie est à l'honneur. La société civile s'en empare dès le 22 avril 1970 avec une vague de protestations qui déferle sur les États-Unis pour demander des mesures contre la pollution, instaurant l'Earth Day, le jour de la Terre. De nombreuses lois voient le jour, comme le Clean Air Act de 1970 ou encore une loi sur les pesticides en 1972. La conférence de Stockholm du 5 au 16 juin 1972 apporte finalement une dimension internationale aux problèmes environnementaux. Le rapport va fortement influencer certains présidents, permettant son existence médiatique et populaire. Alors que le deuxième choc pétrolier sévit, le président américain Jimmy Carter, largement inspiré par les travaux de Dennis Meadows, appelle dans son discours de 1979 à la conservation de l'énergie, au partage des ressources et à rechercher d'autres canaux que posséder des choses et consommer des choses. Pour ses rivaux, ce malaise speech représente une menace pour le pouvoir des entreprises et la croissance économique. Cette dernière vision prévaut dès le discours d'investiture du nouveau président américain Ronald Reagan en 1981. Je cite « Nous avons toujours été convaincus qu'il n'y a pas de limite à la croissance et au progrès humain quand les hommes et les femmes poursuivent librement leurs rêves. L'histoire nous a donné raison. » Fermez les guillemets. Dès lors, le déni politico-économique entre en scène et bascule le rapport dans l'oubli. En 1992, au sommet de la Terre de Rio, la Convention climat est signée. À cette occasion, le président George Bush interpelle les citoyens du monde. Je cite une nouvelle fois. Il y a 20 ans, on parlait des limites à la croissance. Aujourd'hui, nous savons que la croissance est le moteur du changement et l'allié de l'environnement. Fermez les guillemets. En 1995, la première COP pour le climat divise les pays riches et pauvres sur le poids de la responsabilité du réchauffement climatique. À ce jour, les événements internationaux comme les COP ou les rapports successifs du GIEC fournissent des preuves scientifiques et des solutions au chevet des dirigeants du monde. Cependant, sans contrainte ni objectif global, rien ne change et la conservation de l'environnement, où l'extraction est compensée par une restauration artificielle, se perpétue. Aussi, pour comprendre l'intérêt du rapport et les solutions apportées, il faut chercher du côté des disciples de Dennis Meadows, ceux dont la priorité est à la préservation, mouvement appelé écologie profonde ou encore écologie radicale. L'écologie profonde, qui affirme la protection inconditionnelle de l'environnement, s'inspire du danger imminent que représente la compréhension de l'effondrement de notre civilisation. Le fonctionnement de la Terre est assimilé à une vision systémique, comme l'exprime l'hypothèse Gaïa de 1970,
du climatologue britannique James Lovelock, malgré sa controverse. L'ensemble des êtres vivants sur Terre formerait ainsi un vaste super-organisme réalisant l'autorégulation de ses composants pour favoriser la vie. La rupture de ce système global engendrerait l'effondrement. Cette notion est explicitée par le géographe et biologiste Jared Diamond en 2005 dans « Effondrement, comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie ». En France, c'est le politicien et mathématicien Yves Cochet qui impulse le mouvement. Une nouvelle discipline appelée collapsologie apparaît alors en 2010 dans la continuité du rapport Meadows. Ce courant de pensée transdisciplinaire relie l'ensemble des sciences humaines et physiques dans l'étude d'un possible effondrement de la société thermo-industrielle. Si l'histoire et la physique s'emparent au tout début du mouvement, l'anthropologie et la psychologie les renforcent avec le terme de solastalgie ou éco-anxiété en 2003. Ce syndrome d'anxiété psychologique est causé par les changements environnementaux passés, actuels et futurs, liés au changement climatique et à la perte en biodiversité. Il se couple au concept d'anthropocène, qui marque comme époque géologique l'influence de l'être humain sur la géologie et les écosystèmes. La science est aujourd'hui formelle sur le scénario climatique, ce qui permet au rapport Meadows de ressurgir du passé à travers ses disciples et leurs théories. La collapsologie étant interdisciplinaire, elle regroupe en son sein de multiples acteurs, économistes, philosophes, physiciens, juristes ou encore ingénieurs, pratique une vision holistique sur des risques systémiques avérés. Au niveau géophysique et économique, Philippe Biwi, Arthur Keller, Laurent Testot ou encore Vincent Mignoreau apportent des réponses concrètes aux limites planétaires. Leur conclusion, l'énergie comme facteur de développement humain est subordonnée à la disponibilité de celle-ci. Les différentes hypothèses, enrichies d'études scientifiques, valident donc le Standard Run. En réflexion philosophique, Edgar Morin, Francis Allais, Dominique Bourg ou encore Jean Jouzel défendent une approche globale de l'humanité et de son environnement. Denis Meadows, dans son interview du 1er mars 2022, affirme que la vision court-termiste est choisie par les populations qui élisent en fonction de leurs désirs. Cette implication de l'être humain dans une vision individuelle à l'échelle d'une vie est en totale contradiction avec le temps long que représentent les modifications climatiques et biologiques face aux impacts humains. Cette dissonance cognitive peut être parfaitement ressentie dans le récent film Don't Look Up, une comédie dramatique sur l'effondrement. Cet ensemble de recherches est d'autant plus riche que l'accélération des données scientifiques se superpose parfaitement aux résultats du rapport Meadows. Les solutions avancées sont toutes dépendantes d'une écologie radicale de préservation qui s'oppose au système dominant de conservation. Selon Denis Meadows, il existe une différence entre l'universel et le mondial. Les problèmes universels tels que l'agriculture, l'habitat, intimement liés aux ressources, peuvent être traités de manière locale. Les problèmes mondiaux tels que le Covid, l'arme nucléaire ou encore la guerre ne peuvent être traités que de manière mondiale, posant de grandes difficultés de réalisation face aux intérêts particuliers. De nombreux mouvements dans la société civile émergent de cette difficulté d'appréhender la protection du vivant, Extinction Rébellion, la marche pour le climat, l'affaire du siècle ou encore les soulèvements de la Terre revendiquent les seules solutions possibles à l'effondrement de la société humaine, l'adaptation et la résilience. À l'heure où les scientifiques nous alertent sans cesse sur des risques systémiques, il apparaît évident que la solution réside dans un changement de paradigme. Un changement de système de pensée individuelle et collective sur la signification même de l'existence humaine. De nouveaux acteurs dans la société apparaissent tous les jours. Ils essaient de s'adapter, de dériver vers une résilience heureuse, déconnectée de visions dystopiques telles que le développement durable ou la technologie salvatrice. La mobilisation de la société civile, par sa minorité, est le parfait reflet de l'évolution lente de la pensée humaine face à un réchauffement climatique qui lui s'emballe à vitesse exponentielle. Pour terminer, selon Denis Meadows, l'homme ne peut changer que biologiquement ou socialement. Dans le premier cas, on parle de millénaires, dans le second, de culture et d'éducation. La question est donc posée, serons-nous assez rapides pour changer face à l'urgence? C'est tout pour aujourd'hui, excellente semaine à toutes et à tous. C'était Monsieur Green. Fin de la retransmission.
Comment c'était? C'était un pur, absolument délire. J'ai trouvé ça quoi, Green, oui. Green, comment? Oh, super Green. Aussi Green que ça peut être. Green, la puissance des Green, tu vois? Mais tu vois, Green, absolument. Green.